Que autre volant, Marie-Hélène Gilles qui potait solidarité là-bas et l'église catholique qui victime sacrifié à la. Pendant le mandat d'autorité concerné, aucun responsabilité pour résoudre un problème kidnapping. Non, on écoute Marie-Hélène Gilles dans le micro, Jean-Philippe Masséan. Moi-même, question kidnapping, non, sont questions qui préoccupent tout le monde, généralement quelconque. Tout le monde qui a joué la donne. Ils ont kidnappé n'importe qui. Nous croyons que ça son crime que personne ne peut pas non. Son crime qui est écrit en lettres majuscules. Nous portons solidarité nous, avec toutes fidèles de l'Église catholique. Avec paix religieuse, mais qui est en bas de bandits. Nous croyons qu'il est le temps pour l'autorité, nous qui responsable de sécurité en notre pays, pour être capable de réfléchir, pour être capable avec la question de kidnapping. Kidnapping, nous avons arrivé à zéro. Je dis à Noël pour un maximum. Je dis à tout le monde à demander, est-ce que c'est sous l'ordre bandit puis au marché ou bien sous l'ordre de la police? Là, on a regardé ça qui a passé, côté la police, là, elle est à genoux pour ne pas dire si ça n'a pas existé encore. Donc, nous tous sommes pile monde qui a baissé tête, nous menti. Nous disons, nous y a l'armée, nous disons, nous y a la police, alors que nous pas qu'à circuler. Via à droite, via à gauche, nous kidnappons. Et nous kidnappons. Tout le monde, petit monde, grand monde, monde qui gagne, monde qui paye moyen. Et kidnapping, c'est la pauvre, la pauvre société. Et mettez tout le monde sous stress, tout le monde malade. C'est pour ça que nous demandons aux autorités, les gens qui ont dirigé le pays, les dirigeants au moins, réfléchissent pour si nous sommes capables de mettre frein dans la question de kidnapping. Directeur exécutif réseau national cap défendre mon yo Pierre Espérance a dit lui-même tout porter solidarité la poche et puis famille religieuse cap compter jour dans mes kidnappés dans la commune Croix-des-Bouquets. C'est occasion pour Pierre Espérance dit l'appuyer 3 jours porte fermée toute l'école qui est sous responsabilité secteur catholique là. D'ailleurs 3 jours ça qui commençait depuis hier mercredi hein, toujours dans l'idée pour réclamer libération religieuse. Pierre Espérance quoi c'est pour institution police nationale à renforcer surtout service renseignement si responsable ouvre les jeunes solutions à problème et sécurité à un côté Pierre Espérance dans le micro Blaise Peterson. Nous partageons souffrance, douleur et notre souffrance même gens avec nous qui en bas nous kidnappons. Regarde bientôt c'est 15 jours déjà dans 11 jours côté que nous avons souffert, il y a fait un peu de menace sur nous, un peu de pression sur nous, il y a par contre qui s'enlève et qui un peu là dans nos malades. Mais même si nous malades, de tous les coups dans la situation, ça, on ne peut pas libre, pas prendre toute bagaille et toute menace, toute intimidation. Ou traumatiser, ou pas vivre, nous portons solidarité, nous, par famille, nous, et 3 jours à côté de nous, fermer toute activité, dans l'école, et bien, l'université, nous portons, d'accord, nous portons toute solidarité, nous, si nous payons l'État, qui, on pourra pas faire travail, c'est pas ça, on fera. Et quand on a pris ça, il est mis la population, on a passé en zone, en danger, non. Mais, nous avons renforcé la police là, et puis nous mettons bon service, renseignement, et ce place qui a fonctionné, et pour permettre, et pour le faire infiltrer les bandits, à travers bon service de renseignement, et comme ça, nous avons connu toute activité qui a mené. Et vous avez commencé demain pour 5h50. N'avancez toujours avec information là, que direction politique opposition démocratique là, qui peut être solidarité avec l'église catholique qui vive un moment difficile côté guéblisier, un bien religieux, religieuse, bandit kidnappé. Dimanche qui était 11 avril passé, à côté accusé, M. Bas 400 Maouzo, bon, pas qu'à accusé encore. Et cela, moi, ça, je fais déclaration. Mais côté nommé M. Bas 400 Maouzo, dans Croix des Bouquets, un homme à dire podio, qui c'est Génard Joseph, dénoncé phénomène kidnapping non en pays, hein. Dirigeant politique là, accusé pouvoir en l'instant, Lydie qui est responsable insécurité généralisée, ça, société à qu'on est dernier temps, ça y est. Écouté, Gédard Joseph, dans le micro Radio Méga. Nous écrivons tout d'abord pour une solidarité sans limite, par différents prêtres avec notre monde qui
dans les otages, il y a une solidarité spéciale à l'église catholique qui, dans le moment, a fait qu'on est tourment et sans pareil. Il y a une solidarité à tout l'autre, à l'autre, à tout côté, et qui, dans les otages. Donc, dans le moment que l'église catholique rentre la prière, il prend trois jours, et côté les fermer majorité activité Lyon, eh bien, nous-mêmes, dans notre champ politique là, nous estimons qu'il est important pour nous porter toute solidarité, nous, et bah, l'église catholique. Le deuxième, c'est pour rappeler les peuples haïtiens, et douleur à kidnapping. Là. Et dans le cas de ça, dans le niveau de direction politique là, nous comprenons qu'il y a deux types de kidnapping dans le moment, hein. Même si tous les kidnappings ont une source, que les kidnappings, c'est fait d'appuyant sur les citoyens paisibles dans la société à tout partout, et peut-être courir avec eux et à exiger des ressources et permettre de connaître toute qualité de calamité. Donc, ben, ça tire trop, et le régime PSTK, il pour les kidnappings tout partout dans le pays, hein, et aucun secteur de la vie nationale n'a pas épargné. Et deuxième, le gros kidnapping qui collait, tout collait avec kidnapping, c'est le kidnapping politique que le régime PSTK, président Jovenel Moïse, ancien président Jovenel Moïse, il a fait sous pouvoir peuple là depuis 7 février 2021. Donc effectivement, je dis à une catastrophe réelle, le phénomène qui se kidnapping là, de deux qualités kidnapping, et je dis là de notre là, non seulement pour tes solidarité nous, l'église catholique, et nous pour tes solidarité dans toute notre famille, le pays a subi kidnapping. Etide ak Action Douamoun nan tèt koulé ak divers lot organisation Douamoun présenté ayer mercredi an yon série etide yo réalisé sou situation Douamoun soti mois janvier pour rivé avril 2021 d'après dirigeant organisation sa yo Douamoun pas suspend violé nan pays an depuis un bon bout de temps surtout pendant période janvier a date côté population a fait face ak phénomène insécurité a spécialement kidnapping nan on suivi un reportage a collaborateur nous Josué Belamour. En conséquence, jeune garçon qui a amené dans différents quartiers dans le pays, d'après directeur exécutif EADH, la Montis Joachin, qui l'a gué responsabilité à sous dos autorité ou dans le gouvernement. Jovenel Moïse a tout gouvernement de facto li, lui veut renforcer jeune en groupe armé au lieu pour lui créer l'école à la diversité. Ça qui conduit à un pile à paquet de insécurité à kidnapping qui fait de l'eau à couler dans les yeux tout haïtien matin, midi et soir. C'est liberté publique. À liberté individuelle qui va respecter tant coup nous t'aurons arrestation puis passer 23 personnalités parmi les juges dans cours de cassation chaque jour c'est une question de moun à assassiner il y a massacré moun tant coup dernière série massacre qui se fait dans Belé dirigeant organisation Douamoun Sayo pas raté occasion pour dénoncer dictature président Jovenel Moïse voulait instaurer dans pays à dans sens Sayo mandé population prendre stèle en main pour doual capable respecter Polidor Prioli, c'est secrétaire général EADH. Pour peuple haïtien prendre responsabilité dans l'exercice droit à la liberté publique, pour nous craser le système pesé sous le système capitaliste qui n'est pas dans ses collés à droit moun, liberté moun, démocratie à justice sociale, au barrage Jovenel à toute équipe dans le gouvernement de facto pour les quitter pouvoir, empêcher les. Appliquer plan référendum à élection Fomamit qu'a planifié à communauté internationale. Malgré organisation Douamoun toute qualité, pas suspend sorti rapport pour dénoncer violation Douamoun dans pays a si tout dans dossier massacre dans certains quartiers populaires, ça pas empêché Douamoun continuer à violer. Divers observateurs critiquent comportement les pervagues autorités concernées qui pas jamais fait rien pour permettre victimes yo joindre justice. Josué Belamour, Radio Mega. 5h55. Merci en pile à José Belamon, directeur exécutif à Réseau National Cap Défense Droit Mounio, Pierre Espérance, qui pas caché inquiétude face à un phénomène kidnapping non, cap augmenté chaque jour plus. D'après Pierre Espérance, c'est pouvoir en place tant qu'il est responsable à la situation ça, à cause à Yovle qu'un B pouvoir, gagne Yovine plus puissant, grâce à la complicité exécutif là, signe de croix, défenseur droit mounant, qui critique l'autorité concernée au Lédi, qui pas jamais posé aucune action pour freiner Zach Bandio. En côté déclaration Pierre Espérance. Nous préoccupons
inquiété en pile et par rapport avec la situation il y a dans le pays et insécurité et d'État, côté que c'est pouvoir ça même qui voulait imposer la population en forme d'insécurité ça. Et pour créer un climat de peur, la caille tout le monde. Et comme ça, et pouvoir, régime a fait tout ça qu'on est pour capable de mettre ce pouvoir, intimider le monde, massacrer le monde, et renforcer gang, et faire alliance et avec gang et pour terroriser la population. Et ça vient de banalisation de la vie du monde. Les affaires des armes illégales avec gangs en Haïti, ça a toujours existé depuis plusieurs années. Mais c'est la première fois gangs aussi puissants comme ça, ils ont arrogants comme ça, et ils ont plus bien équipé par la force publique, et ni la police ni la justice n'ont agi devant gangs. L'homme a des phénomènes d'insécurité comme là, je veux dire. Kidnapping, massacre, viol, tout ça gang yo a fait, ou est que pas jamais y a une poursuite contre yo, et pas jamais y a rien qui fait pour démanteler gang yo, et gang yo, yo jouent des armes avec munitions avec l'argent, la main, et autorité yo. Est-ce qu'on va mettre l'action publique en mouvement contre GNF et cracher du fait qu'il a attaqué les mêlés? Non. L'autre dossier dans le quatrième paraître méga matin, yon groupe 17 organisations droits moun parmi UNDDH, CJLAP, BAI, POH, DH, dit yon saisi tande sur réseau social, gen yon élection qui était faite dans le secteur ça, gen yon citoyen qui pral représenter au nom conseil supérieur pouvoir judiciaire, organisation ça qui écrit président CSPJ René Sylvestre, critiqué office protection citoyen qui d'après yon participé dans complot ça, n'a créé organisation droits moun bidon pour aller dans CSPJ, dans l'idée pour aller faire job pouvoir. Marie-Olène Gilles, qui est une responsable FJKL, exige OPC reprendre processus dans la loi mandé ça. En côté, Marie-Olène Gilles, dans le micro Jean-Philippe Massé. C'est confirmé, il y a plusieurs organisations de défense des droits humains qui voulaient une correspondance qui peut être date 19 avril 2021 by le président conseil supérieur au pouvoir judiciaire, la maître René Sylvestre. Pour que ça, c'est pour être capable d'attirer l'attention sur loi qui crée CSPJA et puis particulièrement sur une antique qui clairement dit que gens pour être capable de choisir un secteur de l'homme pour venir à représenter dans CSPJA. Et c'est comme ça, et bien avant que nous, dans les places, ça nous fait nous retracer. La première élection qui a été faite pour remettre le maire dans CSPJA en 2008. Comment il était procédé. C'est réunir tout organisme de défense des droits humains et puis choisir des membres pour voter aux candidats avec des critères clairement définis. Puis capable de faire choix de yon moun pour vous aller représenter le secteur en dedans CSPJ. Mais nous gardons là, je ne vous dis en 2021, c'est pas comme ça fait. C'est l'été, nous étions sur les réseaux sociaux, gagner des groupes qui décidaient d'ouvrir au monde, pas des appels qui étaient faits pour nous être capable de participer et pour être capable de faire valoir point de vue par rapport avec l'élection qui vient pour nous représenter. C'est un groupe qui dit qu'ils ont réuni environ plus de 40 organisation et ils ont décidé pour voyer aller représenter la CSPJ. Nous croyons que l'agissement ça c'est antidémocratique et OPC lui-même il fait le complice de Mounsaïon qui ont même décidé de choisir un monde en vue en voilà pour voyer à représenter et droits humains en dedans CSPJ. Nous croyons que l'attitude ça aussi, même attitude que PHTK a gagné la fin de pouvoir côté pas de transparence, pas de souci de démocratie. Nous croyons que je ne vous dis, après on finit le KUP, j'ai gagné maintenant, PHTK savait livrer, consolider tout pouvoir. C'est pour ça qu'il a utilisé OPC pour capable créer des organisations, en pile là, dans le pile midi, ou pas même qu'on est fort, montrer côté organisation, ça oui, côté militer. Qui action que nous menons
Donc, personne ne pas connaît. Donc, nous, que pratique ça, au moto, c'est des pratiques antidémocratiques. Pouvoir prendre ça, moto, il y a besoin de contrôler tous les trois pouvoirs qui viennent passer par une heure et deux villes, puis capable d'aboutir à l'élection, ça, qui mettait, qui voyait au monde aller dans CSPJ. Nous-mêmes, nous croyons que, faut qu'il y ait transparence qui pour faire. C'est pour ça, nous écrit René Sylvestre pour nous dire, action, ça, que OPC cautionné à l'île nulle et non avenue. Nous croyons, faut qu'OPC décide pour nous prendre processus là, pour tout le monde capable de connaître. Que bon élection t'est faite même monde que secteur a choisi pour ouvrir à représenter en dedans CSP. 6 heures. On t'a côté intervention Marie-Hélène Gilles qui c'est une responsable à fondation J'éclairé n'a toujours été sur même dossier ça maître Mario Joseph Cap dirige Biwa avocat international yo les mêmes tour critiquer protecteur citoyen Renan Edouville qui d'après lui-même a fait seulement job pouvoir dans OPC Mario Joseph quoi l'impossible pour un concours fait dans secteur Douamouna sans réseau national cap défendre Douamouna fondation J'éclairé Biwa avocat international et la trier pour Mario Joseph, c'est un frappe à pouvoir baisser à cause représentant yoté accepté signer note cassation qui était dit mandat Jovenel Moïse fini 7 février 2021 en côté à Mario Joseph. En fait, c'est un commencement d'une procédure qui est bien longue que l'organisation SAIO a commencé ensemble avec processus pour nommer un représentant secteur de droits humains dans CSPJ. Faut nous dire clairement, BAI n'a pas jamais entré dans le processus. Mais nous sommes toujours là à suivre. Nous dénoncer et parce que nous apprenons et que et monsieur est protecteur de certains citoyens, ça a eu lieu Renan Edouville et qui c'est un soupape de monsieur Jovenel. Et m'a dit, certains monde dans l'organisation pour les droits humains ou ça. Les que monsieur Edouville t'a fait des signaux. Et ça fait les messieurs Renan Edouville vous voyez ou ciel dans les yeux, ils pensaient que c'était un bon bagaille. Je me dis, le temps de devant parce que la part un coup pour nous. Donc ça fait le bail organisation, secteur et un coup dans dos. Et lorsque ils organisaient un processus ou bien en cachette, en bachal, sans transparence, parce que grande organisation doit humains, par la donne, on série d'organisations que, bon, moi-même, si on te fait ou bien, dans le sens que, fait formation pour vous, est-ce que vous savez qu'on a le devant CIDH? Est-ce que vous connaissez ou qu'a traîné au monde devant le tribunal et devant juge de la Cour interaméricaine des droits humains? Vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. Donc, ou pas qu'à mettre avec RNDDH, qu'à préparer des rapports qui vont être par les gens qui ont dit que rapport RNDH, méthodologie, ouais, et j'ai préparé, on doit regarder, on doit avoir une position, mais on ne peut pas dire qu'on n'a pas bien fait, on ne peut pas dire qu'on n'a pas objectif. Donc, il faut nous clair. Donc, ou pas capable de couler, on fait un processus pour secteur et droits humains, et puis on exclut RNDDH, on exclut Fondation J'éclairé. Même si c'est pour il pas là trop longtemps, mais et Marie-Hélène Gilles et Mabissin, maître Mabissin, ils ont lieu là aussi longtemps dans la bataille. Donc, ou pas capable d'ignorer. Donc, c'est pour une bagaille qu'elle ne connaît pas et pour RNDDH. Donc, c'est voulu. Bon, peut-être c'est on tape. Il y a bailli, organisation qui a choisi Chenet Jean-Baptiste. Parce que Chenet Ozel, les signer lettre et qui mandait pour Jovenel, mandat Jovenel a fini et le 7 février 2021. 6h05. Bon, ça c'est déclaration maître Marie-Joseph et avant d'écouter Marie-Hélène Gilles concernant citoyen ça, maître Edmé Rémy qui lui-même c'est représentant droits humains non, conseil supérieur pouvoir judiciaire là côté ensemble organisation droits humains ça, on n'est pas 17 là-dedans qui gagne VKL, gagne RNDDH et gagne POHDH qui parmi organisation même qui réagit les ou apprendre les entendre c'est Edmé Rémy qui lui-même représenté dans CSPJ, côté il y a écrit cassation, côté il y a écrit maître René Sylvestre, il y a écrit tout protecteur citoyen. Eh bien, protecteur citoyen, Renan Edouville, il a décidé de répondre ensemble à l'organisation de l'Oasis Messaïo. Il a décidé de répondre. Bon, il a fait les petites réponses que le voyez. Office protection citoyen, Port-au-Prince, dans la date qui était 21 avril 2021, qui c'était hier.
Monsieur Alermi et Pierre Villus. Pierre Villus, c'est lui-même, c'est secrétaire exécutif POHDH. Il voit la Bali, mais la réponse que le voit à l'Empire Villus, il répond toute notre organisation de l'Azimé, qui au même tout dit, il ne pas comprendre, Edmé Rémy. Hein. C'est l'exécutif du HDH, et représentant spécial, organisation dit, hein, dit qu'a fait promotion, qui dit a fait promotion pour droit moun, hein, a fait promotion pour droit moun. Monsieur le secrétaire exécutif, Office Protection Citoyen OPC, dit que l'y recevoir, acquise correspondance son, dans la date qui était 21 avril 2021, la donne, ou exprimer une protestation comme si manifeste contre question procédé qui était utilisé pour capable renouveler membres et droits humains en dedans CSPJ. Après, on est capable de dire pour te voyer représentant droits humains dans CSPJ. Pendant tout, pendant exprimer soi-disant protestation, ça, ou permettons, on crée ça un amalgame. Ils ont tout eu ils parlé en pile, alors que ça a dit à la Genadilan, li pas ça, selon ça. La donne, ou gen ça n'est pas méchanceté dans la parole, yo, gen menti dans ça a dit yo, et gen des paroles malhonnêtes dans ça a dit yo, et qui très dur pour nous-mêmes dans le PC, genre, ou voulez faire, et nous comprendre. Et qui ont façon pour capable sale image, OPC et moi-même comme protecteur citoyen. Ça, c'est Renan Edouville qui a parlé dans l'aide de réponse qu'elle voulait ensemble organisation de droits humains. Il dit, bon, me rappelle, OPC, d'abord, l'a rappelé, c'est une institution indépendante qui créait, selon la Constitution 87, là. L'y pas là pour soumettre avec aucune autre institution dans l'État. Ça veut dire, l'y pas sous l'obédience, l'autre institution dans l'État, OPC, grand monde, l'y OPC,